Salut, c'est Mika Linda Eden. Aujourd'hui, on quitte Flowag juste en face de Bergen pour aller à Fest. Bon, c'est un petit endroit sympa aussi, on va passer dans les fjords. Ça risque d'être vraiment sympa. Il fait frais. On a eu du mal à larguer les haussières parce qu'elles étaient gelées aussi. Mais là, c'est bon, on est parti. On a rencontré ici à Flowag Jeannette et Yann. Et ils nous ont accueillis ici. Merci à eux parce que c'est vraiment sympa. Ils ont un blog aussi, vous pouvez aller voir. On mettra ça dans la description et puis on l'affiche aussi ici. Et voilà, donc ils sont installés ici depuis très longtemps. Et puis voilà, ils nous ont accueillis. Merci à eux, c'est vraiment sympa. Alors ça y est, on est en route et c'est idyllique ce matin, il fait super beau, il fait un petit peu frais, ils annonçaient moins 7 degrés et là par contre c'est génial quoi. Nous on va là-bas dans la trouée et on va passer par l'intérieur des fjords. Et ici c'est l'île d'Askøy, c'est là où on a passé ces quelques jours là. On continue dans le fjord, Bergen est derrière nous et c'est splendide. C'est de toute beauté. C'est toujours impressionnant de passer sous les ponts et avec Linda on s'est donné la taille minimum de 20 mètres. Comme ça, ça nous garde une marge de sécurité et comme on n'est pas bien habitué à chaque fois que ce soit sous les ponts ou sous les lignes à haute tension, c'est vraiment impressionnant. On a toujours l'impression que le mât va accrocher dedans. Alors même si ça passe largement, il y a toujours une petite inquiétude quoi. Alors c'est très très bien balisé. Il faut vraiment se méfier au niveau des courants. Hein. C'est comme partout, il y a des courants montants, descendants. Et c'est encore plus impressionnant dans les goulets parce que quand la quille se prend dans le courant, faut vraiment être vigilant pour pas tourner dans tous les sens. Alors nous sommes à Fest, hier soir on s'est dit on met pas le tôt parce qu'on repart le lendemain matin et en fait tout est gelé, je viens de laisser un peu d'eau dans le fond d'un seau et il a gelé. Et c'est magnifique. C'est beau comme tout. Alors
Alors Fest, c'est vraiment étonnant comme endroit. Ça, on a vraiment le sentiment d'être sur une aire d'autoroute au cours d'un voyage en voiture. Il y a une station à essence, une petite boutique et voilà vraiment tout ce qu'il faut pour s'arrêter, pour faire un stop quoi, pour la nuit. Voilà. Et ça, c'est vraiment étonnant. Ciao.